Lily Rose. Quoi? Vous êtes sérieuse? Quoi? Même Massilia, là, j'ai tout entendu, j'ai tout entendu cette nuit. Même Camilia, vous êtes restée. Non mais elle rigole en plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Non mais à 3h du matin cette nuit, enfin même à 4h, à 5h du matin, vous étiez en train de faire la fête, de sauter, j'ai pas réussi à dormir. N'importe quoi. Toi, avec ton téléphone, t'as pas arrêté de mettre de la musique. On a rien fait du tout. Voilà comme je t'aime. Et ça fait papite, 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 Maria. On a rien fait. Regarde, ben, voilà la preuve. Massilia, elle est fatiguée. Mais je non, l'ai jamais mais vue dans pas... cet état. Vous avez dormi 2 heures cette nuit. N'importe quoi. Elle est folle. Mais on a rien fait du tout. Elle... C'est toi, t'as rêvé, je crois. Même si elle dort 2 heures, ça y est, une pile. Mais t'as rêvé, toi. Bon, bah, c'est quoi? Regarde. Donne la tablette. Déjà, je prends ça. Non, non. S'il te plaît. Non. Tu sais ce qui va se passer sinon? Non. Ah bah si, tu sais ce qui va se passer. Non. Je vais appeler les fantômes de la maison encore une fois. Je m'en fiche. Allez hop. Non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Donne-moi ça. Fais pas ta grande fille. Tu vas rentrer en maternelle là, avec ton comportement. Et Massilia, enfin même toi, dormez. Je veux pas. Mais on a déjà dormi cette nuit. Viens aussi, tu vas dormir. Allez viens. J'ai pas envie de dormir. Allez viens. Ouais. Allez, allez papa, on vous fera bientôt. On résultat, t'a pas réveillé, on a rien résultat, fait. Résultat, Asma elle est dans sa chambre, elle va dormir toute la journée. Clément, je sais même pas dans quel état il est sur le canapé à moitié endormi. Non, mais... Un fromage et toi, c'est un fromage. Ok, bon allez, dormez. C'est bon, j'ai récupéré les appareils de malheur là. Ah ouais, t'as bien fait. Bah, t'as réussi à dormir cette nuit? On m'en parle même pas, une catastrophe. Ouais, bah. J'ai pas réussi à dormir, ils avaient fermé la porte à clé, impossible de rentrer, impossible de les calmer. Moi j'étais dans la chambre d'à côté, j'entendais sauter le parquet, bouger. Ouais, heureusement que ma chambre, moi, elle était un petit peu loin, donc... Ah ouais, ouais, non, mais moi, les musiques jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin. Non, mais c'est bon, on a juste fait la fête jusqu'à 6 heures du matin. Ils abusent. Viens, Cam Cam, on sort de la maison et on va faire la fête ailleurs parce que ici, on peut plus rien faire. C'est vraiment énervant, tu viens? Bon bah aujourd'hui on fait pas de vidéo. Je pense qu'aujourd'hui on va tous dormir, Asma elle est déjà en train de dormir. Moi aussi je vais faire la sieste. Ouais, tu devrais aller les voir. Allez Cam Cam, on se dépêche. Allez viens. Pour leur dire d'arrêter parce ouais, que... Ouais je vais aller les voir. Elle se moquait de moi. Ouais parce que... Camilia est encore en train de sauter. Allez. C'est incroyable. Allez. Par contre discrètement parce que si elles nous entendent elles vont encore fermer à clé. Allez doucement. J'espère qu'elles n'ont pas fait de bêtises encore. Tout à l'heure, elles voulaient aller dans la salle de bain pour remplir la baignoire. Vas-y, vas-y. Mais elles sont où? Mais elles sont passées où? C'est quoi? Comment ça se fait? Bah, Lily Rose, elle était là normalement, même Camilia. Mais ouais. Il reste que Massilia. Ça va, où est-ce qu'elles sont les autres? On les a pas entendues. Elles ont dit qu'elles vont s'enfuir de la maison. Parce que elles vont faire la fête autre part. Non, c'est pas possible. Elles sont parties là, de la maison. Mais c'est pas possible. C'est Lily Rose qui a entraîné Camilia. C'est pas possible que Camilia ait une idée comme ça. Va réveiller Peppa Pink. Il faut le prévenir. Et il faut qu'on prenne la voiture. Il faut qu'on y aille tout de suite. Ouais. Je vais regarder quand même dans les couloirs. On sait jamais. Est-ce qu'elle est là? Non. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Papa Pink, excuse-moi de te réveiller comme ça. Oui, il y a Lily Rose et Camilia qui se sont enfuis de la maison. Comment parce ça? Parce qu'elles veulent continuer. Ouais, elles veulent continuer à faire la fête. T'as vu comment c'était la fête cette nuit? Elles veulent continuer à faire la fête. Donc, comme ici, elles savent que elles veulent être punies. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, comment on fait? Esteban, il est descendu. Il est en train de préparer. Il faut prendre la voiture. Il faut partir à la recherche. On y va tout de suite. Allez, on y go. Bon, les amis, on part avec Peppa Pink et Clément. Pour aller chercher les filles, on va prendre la voiture pour aller plus vite parce que là ça doit faire déjà au moins une trentaine de minutes qu'elles sont parties et bah, si on les trouve pas on ira à la gendarmerie pour signaler leur trouver, disparition mais bon normalement on devrait les trouver. Elles sont pas loin. Allez c'est parti, on va aller dans le village d'à côté parce que à mon avis elles ont dû avoir faim. On va aller voir dans un restaurant, tout ça. Marly-Gaumont. Ouais, à Marly-Gaumont pour voir si elles se sont arrêtées là-bas. Allez, let's go. Bon, les amis, on est arrivé sur un parking. Voilà, donc c'est le parking de la ville la plus proche. Vous voyez, il y a un magasin. Là, il y a un restaurant.
On a regardé parce que des fois elles aiment bien aller manger des trucs comme ça. Et impossible de les trouver. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc on va vite repartir. On va retourner aux alentours de la maison, on espère les trouver. Ah non, c'est une blague. Ouais. Parce que là, ça va faire 1h30. Parce qu'on a beaucoup roulé, on a beaucoup regardé. Peut-être à côté du gros véhicule noir là-bas, non? Non, mais on a fait tout le tour, elles sont pas là quoi. On a même regardé dans le magasin, dans le restaurant là-bas, plusieurs personnes, dans le McDo. Dans le jardin, tu crois pas qu'elles se sont cachées dans le jardin? Dans le jardin? Ouais. Faudrait regarder autour de la maison. Bon allez les amis, on va rentrer. Et on espère qu'on va les retrouver avant que la nuit tombe, parce que passer la nuit dehors comme ça, c'est incroyable. J'espère qu'elles se sont pas perdues, parce qu'avec le sens d'orientation de Lily Rose, c'est pas gagné. Bon les amis, on est descendu de la voiture et on essaie d'aller chercher dans la campagne. C'est pas gagné. Attends. Là-bas. Eh oui. Regarde. Attends. Je reconnais. En plein milieu de la route. En train d'attendre. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font du stop. Elles attendent une voiture. Elles papotent. Ouais. Attends. Ouais. Regarde, elles font du stop. Lily Rose, elle fait du stop. Alors là, vous voyez pas les amis. Et non mais je rêve. Non. En plus ici il y a plein de voitures qui. Enfin pas plein de voitures mais plein de tracteurs qui passent. Ouais, et on a vu des vaches, des chevaux. Des chevaux, ouais. Le pire c'est qu'elles sont pas loin de la maison. Bah et pas loin, là mais on pas est. Trop loin quand même. Même un kilomètre quoi, donc oui, à bon, pied en pleine campagne. On est là. Qu'est-ce que vous faites là? Elles font semblant de rien. Ouais. Non. Non, revenez. Regarde, je crois qu'elles veulent aller voir les vaches là-bas, il y a les vaches. Ouais, elles veulent surtout pas qu'on aille les voir, c'est ça. Bon. Non, il faut les rattraper. Ça commence à bien faire ça. Allez. Il faut les rattraper parce que sinon on s'éloigne trop de la maison. Déjà que là on a marché pas mal pendant pas mal de temps. Si en plus au retour c'est pareil, ça va être incroyable. Surtout qu'en ce moment elles ne font que des bêtises. Ça n'arrête pas une seule seconde. C'est pour ça qu'on va bientôt partir de cette maison, tout ça. Parce que, ah bah, regardez, encore un tracteur. Vous voyez que c'est dangereux. C'est n'importe quoi. Les vaches plus le tracteur. Incroyable. Hé, Lily Rose. Wow, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi t'es partie toute seule comme ça, en plus avec Camilla, avec une petite? Parce qu'on avait envie de partir, vous voulez pas qu'on fasse la fête? Bah ouais, on veut pas que tu fasses la fête jusqu'à 6h du matin. Nous, mais partez pas comme ça, vous nous prévenez. Regardez les amis, il y a un tracteur qui arrive. Imaginez si vous avez croisé un tracteur comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, il y a les vaches. Nous, on va rentrer. On espère que vous allez plus faire ça. Ouais, et c'est la dernière fois que vous faites des choses comme ça. Celle qui a été pas mal, c'est Massilia, parce qu'elle vous a pas suivi. Bah, en même temps, elle dormait. Ouais, elle est malade, donc. Ouais, mais elle a pas suivi quand même, elle aurait pu suivre, Non, elle va encore partir. Pire que Lily Rose. Bon, allez, les amis, on espère que ça vous a plu. On a retrouvé les filles, tant mieux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là ou allez voir une autre vidéo sur la chaîne. Allez, à plus.